Alors bienvenue dans cette vidéo qui est le concours confirmé. Pour celles qui ont vu le concours débutante, c'est la suite mais pour les confirmer comme son nom l'indique. Je suis désolée si la luminosité n'est pas terrible par rapport à la première vidéo, mais seulement maintenant je filme de nuit alors que tout à l'heure c'était le jour. Voilà tout simplement. Et puis je vais vous expliquer tout ce qu'il va falloir faire pour le concours confirmé. Alors pour celles qui ont regardé la première vidéo, je vais sensiblement me répéter pour certaines choses, mais je préfère bien remettre les choses au clair pour que tout le monde puisse bien comprendre, même ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo. Alors le concours commence aujourd'hui et se finit le 19 janvier. Je mettrai les résultats le plus rapidement possible après le 19 janvier. Je pense que début de semaine suivante, parce que le 19 c'est un dimanche. Donc début de semaine suivante, je pense que les résultats devraient arriver. Ensuite, concours confirmé. Donc je considère une confirmée une personne qui a de l'expérience depuis plus de 6 mois. Voilà, donc vous faites de la FIMO depuis plus de 6 mois, vous êtes pour moi une confirmée. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des conditions. Oui, bah oui, parce qu'il y a toujours des petites conditions pour participer à des concours. Donc c'est être abonné à ma chaîne, liker la page Facebook des partenaires. Donc il y a Temtoki, Misa Crea et La Création. Donc si vous n'avez pas si vous n'avez pas Facebook, ce serait bien de demander à, je sais pas, votre grande sœur, votre grand frère, votre cousin, cousine, vos parents, d'aimer les pages des partenaires, tout simplement parce qu'ils vous ont offert vraiment des super lots pour Noël, pour le concours des 1 an de ma chaîne. Et ce serait quand même pas mal de pouvoir les remercier par un petit like. Voilà. Donc ensuite, autre condition, il faut être majeur ou avoir l'accord parental, tout simplement parce que vous allez devoir me donner votre adresse si vous gagnez. Donc voilà, il faut l'accord parental. Ensuite, c'est un concours qui est ouvert à l'international. Donc comme je disais dans la précédente vidéo, tout le monde peut participer, où que vous habitiez. Les frais postaux sont... Je prends en charge les frais postaux. Donc voilà, ça me fait plaisir que tout le monde puisse participer, même si vous habitez au Canada, où que ce soit. Voilà. Ensuite, une vidéo de pas plus de 6 minutes, s'il vous plaît. Tout simplement parce que au bout d'un moment, je pense que je vais en avoir marre de regarder des vidéos qui durent 10 minutes. Voilà, ça prend du temps. Ensuite, il va falloir donc faire votre vidéo. Je ne prends pas les diaporamas, tout simplement parce que ça incite à la triche. Si vous ne faites pas de vidéo habituellement, que vous avez juste un compte YouTube, vous pouvez tout à fait mettre une vidéo sans montrer votre visage, sans parler, juste pour présenter vos créations, avec ou sans musique, je m'en contrefiche. Voilà, juste faire une petite vidéo pour me présenter vos créations sur les thèmes que je vais vous donner après. Et puis voilà, il n'y a vraiment pas d'obligation de quoi que ce soit d'avoir un compte avec des vidéos régulières, enfin ça il n'y a pas de souci, tout simplement pas de diapo photo s'il vous plaît. Donc quand vous aurez fait votre vidéo, qu'elle sera postée sur votre chaîne, il faudra tout simplement m'envoyer un mail à l'adresse que je vais mettre en barre d'infos, donc delice.fimo@gmail.com. Voilà, donc ça c'est mon adresse. Et vous m'envoyez un mail à cette adresse. Dedans vous me dites si vous êtes confirmée ou débutante, parce que c'est le même mail pour les confirmées et les débutantes. Donc je ne saurais pas faire la différence. Et vous mettez le lien de votre vidéo. Donc vous faites copier-coller bien évidemment de la barre d'infos. Et vous me copiez le lien dans le mail. Après vous me dites que vous avez respecté toutes les conditions, patati patata, voilà le blabla habituel. Et voilà, et oui, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça, excusez-moi, j'ai eu un blanc. Donc voilà, vous m'envoyez ce mail, vous me précisez bien si vous êtes débutante ou confirmée. Et puis après, moi quand je vais recevoir votre mail, je vais cliquer sur votre vidéo et après je vais créer deux playlists dans mes vidéos. Donc vous verrez, il y aura une playlist confirmée et une playlist débutante. Et il faut que vous alliez vérifier que vous apparaissiez bien dans la playlist. Tout simplement pour être sûr que j'ai validé votre vidéo et votre participation. Je vous ajouterai dans mes playlists. Voilà. Je ne répondrai pas à vos mails. Tout simplement parce que ça va faire, je pense, beaucoup de mails à répondre. Donc il n'y aura pas de réponse
à votre mail. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Ouais. Si vous pouvez aussi essayer de faire des vidéos de qualité, donc essayer de filmer pendant la journée à un endroit assez lumineux, pas avec une webcam. Voilà, essayer de faire une vidéo de la meilleure qualité possible que vous puissiez faire pour tout simplement bien maximiser vos chances de gagner comme ça. Plus la qualité est bonne, mieux je peux voir le rendu de vos créations. Voilà, donc pour le concours confirmé, ce sera 5 créations maximum par thème. Donc les thèmes, je vais vous les énumérer tout de suite et après je vous montrerai les lots. Voilà, alors premier thème, ce sera film, série, anime, dessin animé, enfin tout ce que vous voulez. Je voudrais des créations qui soient tirées soit d'un film, soit d'un dessin animé, soit d'une série, enfin de ce que vous voulez, voilà. Mais que ça vienne de l'écran, voilà, disons. Ensuite, alors, pour ce thème, j'espère que je vais arriver à me faire comprendre sur ce que je voudrais que vous fassiez. Ce serait en fait une miniature ou une scène de vie. Donc en fait, je voudrais éventuellement que vous fassiez une petite scénette sur un socle, je sais pas, de quelque chose, je sais pas, une forêt. Enfin, là, je vous dis des trucs au pif, hein. Une forêt, je sais pas, une voiture, enfin, j'en sais rien, mais il faudrait que vous arriviez à mettre, à faire quelque chose, une mise en scène un peu, voilà. Un peu d'une scène de vie en miniature, enfin, j'espère que je me fais comprendre. Je sais pas si vous aviez vu mon petit monde d'Alice au pays des merveilles. Voilà, enfin, un peu dans cet esprit, si ça peut vous renseigner sur ce que je voudrais que vous fassiez, voilà. Si, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Si vous avez des questions, mettez-moi un petit commentaire en dessous, quoi. Voilà, ensuite je voudrais, donc le thème suivant c'est pièce montée, gâteau de mariage. Donc là bon, il n'y a pas de directive particulière, vous savez ce que c'est une pièce montée ou un gâteau de mariage. Je laisse libre cours à votre imagination. Ensuite animaux, donc là c'est pareil, c'est vaste, hein. Vous pouvez me faire un petit cochon dans la ferme, un zèbre, enfin ce que vous voulez, un chat, enfin voilà, c'est vraiment très 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 vaste, il n'y a aucune limite. Ensuite, bien Noël, voilà, je sais que c'est pas très original, mais Noël, j'avais envie un peu de voir des créations sur Noël, parce que j'adore l'esprit de Noël. Donc voilà, donc des petites créations, ce que vous voulez, hein, que ce soit de la nourriture, des cadeaux, pareil, un Père Noël, un reine, enfin, c'est tout ce que vous voulez. Voilà, et ensuite, création au choix, donc voilà, pareil, hein, là c'est... libre cours à votre imagination. Donc dans chaque thème, pas plus de 5 créations s'il vous plaît. Plus vous en ferez, plus la vidéo sera longue. Donc essayez de contenir la vidéo, qu'elle soit pas trop longue, passe plus de 6 minutes. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Oui, ça me paraît déjà pas mal. Voilà. Bah écoutez, j'espère que les thèmes vous plaisent. Si vous avez une question, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vérifiez toutefois que vous êtes bien dans mon cercle, sinon je ne pourrai pas vous répondre. Voilà, sinon pas plus. Je vous souhaite bonne chance pour ce concours. J'espère que ça vous plaira à tous les participants. Et puis je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël et des fêtes de fin d'année. Et je vous montre tout de suite les lots qui sont en jeu. Allez, ciao ciao. Voilà, donc la gagnante numéro 3 va remporter un pain de Filmo Airlight rouge, un petit moule nounours avec 3 petits breloques nounours, un sachet dans lequel il y a plein de perles nacrées, 2 bâtons de cake pops et 2 fioles remplies de microbilles. Ce sont des fioles en verre. Elle remportera aussi cette petite corbeille en biscuit et les 2 petites coupes à glace qui sont ici. Voilà, ça c'est pour les lots des partenaires. Et moi je vous offre une breloque cupcake, une breloque théière, un petit support de bague, 2 nœuds, une assiette en porcelaine, une canne Filmo orange et une fiole spéciale 1, 2, 3, spécial liquide,
avec un bouchon en caoutchouc. Voici pour le lot de la troisième gagnante. Donc voici le lot numéro 2. Donc la gagnante numéro 2 aura un grand pain de Fimo Airlight, un petit moule nounours avec trois petites breloques nounours aussi. Elle remportera un tube de faux glaçons. Voilà. Deux coupes à glace, donc une comme ça et une comme ceci. Un faux cornet. Ça c'est génial, vraiment ça c'est super génial, j'adore ça. Et un sachet avec toutes les perles de toutes les couleurs. Et deux fioles en verre remplies de microbes. Ça c'est pour les partenaires. Et moi je lui offre donc un collier comme ça en ruban et en cordon. Donc c'est tout monté. Hein. Hop là. Voilà, il y a une petite chaînette d'extension. Un marque-page, deux breloques, donc une cupcake et une théière. Deux petits Novichi. Deux cannes Fimo, donc il y a un pamplemousse et une pomme. Deux petites assiettes en porcelaine. Deux supports de bagues et deux fioles pour le liquide. Voilà, deux fioles avec un bouchon en caoutchouc, super pour le liquide. Donc voici le lot de la deuxième gagnante et tout de suite le lot de la grande gagnante. Et voici le lot de la grande gagnante. Donc bien évidemment, elle recevra le kit japonais offert par Tamtoki. Donc ça c'est un super cadeau, j'aurais bien aimé tester. J'irai peut-être m'en acheter un d'ailleurs sur la boutique. Ensuite, elle recevra de la boutique avec la création de la Fimo Airlight noire. Des perles, un assortiment de perles de toutes les couleurs. Et aussi des fioles avec des microbes à l'intérieur, noires multicolores, voilà. Un tube de microbes transparentes, parfaite pour faire du faux sucre. Deux petites coupes à la glace. De la boutique Melissa Crea, un moule nounours. Et trois petites breloques nounours. Et de ma part, elle recevra un très très joli camé que j'ai acheté vers chez moi à Lyon. Deux breloques, donc une breloque cupcake, une breloque théière. De la chaîne de la boutique Aïe la Création, cette chaîne que j'adore, j'en parle tout le temps. Voilà. Donc ça, je l'ai montée déjà avec un petit fermoir et des anneaux. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à l'utiliser. Un marque-page, une petite assiette fleur et un petit bol en porcelaine, deux supports de bague, des fioles pour le liquide, il y en a deux, deux cannes Fimo, donc une pomme et une fraise, si ça veut bien, voilà, merci. Et un petit assortiment de nœuds qui sont ma foi trop mignons, surtout celui-ci, je le trouve trop trop beau. Voilà. Donc eh bien j'espère que ce lot numéro 1 vous plaît, que ça vous donnera envie de participer. Encore une fois, tout est tombé. Encore une fois, je souhaite bonne chance à toutes les participantes de mon concours et je vous fais de plein de bisous et j'ai hâte de voir toutes vos belles participations. À bientôt.